Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo review et qui va concerner donc deux bouquins. J'ai préféré vous faire la review deux en un parce que j'avais à peu près les mêmes choses à dire sur les deux ouvrages. Donc c'est des bouquins qui sont parus aux éditions Dunod. Donc on a le livre des sciences occultes, de l'alchimie au wiccanisme, qui est un mot vraiment pas beau, mais bref, de John Michael Greer, et le livre de la mort et de l'au-delà de Clifford à Peekover. Je crois qu'on dit ça comme ça. Donc c'est des petits bouquins qui coûtent 24,90€. Donc c'était pas donné. Après il y a un sacré travail sur le visuel des ouvrages. Même à l'intérieur, il y a vraiment de superbes illustrations et photographies. Donc bon, ça, en termes d'édition, ça les vaut largement, je pense. Donc je vais vous lire la quatrième de couverture de celui-ci, donc le livre des sciences occultes. Alors, des premiers alchimistes de l'Égypte ancienne au wiccanisme actuel, c'est vraiment très moche comme terme, en passant par la quête de la pierre philosophale et les origines du tarot, ce livre vous emmène à la découverte des croyances ésotériques disparues ou encore vivaces. Des personnages étranges, savants ou charlatans jalonne cette histoire. Retrouvez l'enchanteur Merlin, l'hypnotiseur Mesmer, ou encore le philosophe indien Krishnamurti. Je ne sais pas comment on prononce ça. Attention, ce voyage à la rencontre du monde des esprits risque bien de ne pas vous laisser indemne. Pardon. Donc, voilà pour la quatrième de couverture de celui-ci. Et pour ce qui concerne le livre de la mort et de l'au-delà, on a chronique des croyances et des pratiques les plus étranges et emblématiques sur la mort et l'au-delà. Cette quête en terre macabre s'aventure aux frontières mouvantes entre psychologie, culture, biologie et physique. À la recherche de dieux mayas, de golems, de séances médiumniques, de zombies et d'immortalité quantique. Au détour de chaque page, une image saisissante accompagne un texte concis qui viendra élargir votre connaissance de la mort, de ce qu'elle signifie pour nous et de ce qui pourrait venir après. Donc voilà pour le quatrième de couverture de chacun de ces ouvrages. Donc c'est des ouvrages que j'ai plutôt bien aimés en soi. Déjà c'est de très 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 beaux objets, c'est indéniable. Mais en plus de ça, j'aime bien le fonctionnement de ces bouquins, c'est-à-dire que ça fonctionne en fiches. En fait, à chaque page, vous avez un nouveau sujet avec, par exemple, là on a Plotin enseigne à Rome. Donc on a une image, ici une photographie d'une sculpture de portrait de Plotin. Donc voilà, c'est des textes assez concis, mais qui vous permettent d'avoir un large panel historique de choses. Certes, ça ne peut pas forcément se suffire en soi pour vous apporter de grandes connaissances sur un sujet, mais en tout cas ça vous donne des pistes d'une lecture globale qui me concerne, en tout cas pour celui-ci, qui ne concerne pas un sujet particulier si ce n'est les sciences occultes de manière générale. Voilà pour ça. Donc là on a une partie sur la Wicca par exemple. Je vous montre un petit peu l'intérieur du second. Donc voilà, c'est un format que moi j'ai trouvé très intéressant et alors déjà c'est des beaux objets de collection, hein, soyons tout à fait honnête, mais en plus de ça, voilà, je trouve le principe de fonctionner par fiche assez intéressant, notamment quand on a envie d'en savoir un peu plus sur des sujets larges, comme les sciences occultes ou la mort et l'au-delà, et on traverse un peu différentes cultures, différentes traditions, différentes visions des choses, et il donne beaucoup de noms de divers
occultistes et autres personnes plus ou moins importantes dans le domaine de l'ésotérisme. Et voilà, c'est vraiment, je trouve, un bon moyen d'entrer dans un sujet comme ceci. Je serais curieuse de voir s'ils vont en proposer d'autres. J'avoue que je serais vraiment pas contre parce que j'ai bien aimé. Il y a des choses que je ne connaissais pas. Et voilà, ça vous permet vraiment de vous faire une petite culture générale sur le sujet, donc que vous soyez dans le domaine de l'ésotérisme ou non, ou par simple curiosité. Je trouve que c'est vraiment des ouvrages assez sympas. Après, en soi, voilà, j'ai pas grand chose de plus à en dire. C'est vrai que les textes sont très courts, sont très concis. Donc, y a des petites nuances quand on est un peu au courant de certains sujets qui ont tendance peut-être à un peu hérisser le poil. On s'est dit, les raccourcis sont vite pris, mais en même temps, est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir au vu du format proposé? Je pense pas. On peut pas s'attendre non plus à de grands débats et de grandes théories sur des formats aussi concis. Voilà, c'est simplement, je pense, un bon outil, un bon ouvrage pour vous permettre, encore une fois, je me répète, mais j'ai pas grand chose à dire finalement à part ça. Ça vous permet, voilà, d'avoir une entrée en matière sur ces sujets-là et d'enclencher potentiellement des recherches un peu plus profondes. Et voilà, je pense notamment aux débutants qui ont tendance à se diriger assez vite vers ce qu'on leur impose un peu en termes de croyances et de connaissances sur le monde de l'occultisme, sur les réseaux, etc. Ce genre d'ouvrage vous permet d'avoir une vision un peu plus large et peut-être de trouver des domaines auxquels vous n'auriez pas forcément pensé et qui vous attireraient peut-être plus que ce qui vous est proposé, montré ou ce qui est mis en avant sur les réseaux et autres sphères du grand public. Voilà. Après, c'est un peu un investissement quand même parce que c'est, voilà, comme je l'ai dit, c'est des livres qui sont à 24,90€. Donc ils sont pas donnés. Après, voilà, ça se justifie. On a quand même une qualité non négligeable des ouvrages qui en justifie le prix. Voilà. Donc, pour ceux que ça intéresse, je vous engage à vous les procurer. Ça vous sera certainement bénéfique, en termes d'ouverture au sujet du monde de l'ésotérisme et de l'occultisme. Donc voilà pour cette vidéo, pour le coup elle est très très courte, mais j'avais pas grand chose de plus à vous dire parce que voilà, le contenu ne me permet pas d'avoir un assez grand recul sur les sujets abordés, si ce n'est que le principe de Fish est très intéressant et vous avez dans ces ouvrages là énormément finalement de sujets abordés. L'introduction est très très courte pour vous donner une idée. L'introduction sur celui-ci, voilà, fait 2 pages. Tout le reste, c'est des fiches sur les sujets, sur divers sujets. À la fin, là, effectivement, je suis en train de voir qu'on a une espèce de résumé chronologique daté de ce qu'on a vu dans le livre avec des ouvrages de référence, donc qui vous permet également de faire de plus amples recherches s'il y a quelque chose qui vous qui vous parle plus, quoi. Alors je voudrais juste regarder avec vous voilà, on a des références quand même sympas, voilà, pour les sorcières d'aujourd'hui de Gerald Gardner. Il nous propose Witchcraft Today de Gardner. Donc voilà, c'est quand même
C'est quand même assez bien ciblé comme référence. On a une à deux références maximum par thème. Je vois les Landes. Les Landes, les Vaches des Sorcières. Donc voilà, je vous engage à vous les procurer. Je pense surtout effectivement aux débutants qui pourraient trouver leur compte dans ces ouvrages et s'ouvrir à d'autres choses que ce qui leur est un peu imposé et vous permettre d'avoir des premières références de recherche plus profondes si certains sujets vous intéressent. Donc et ben voilà, c'est vraiment tout ce que j'avais à vous dire sur ces deux petits ouvrages là. Il y aurait vraiment des choses à redire sur le contenu, mais comme je le dis, on peut pas en espérer plus sur une page. À vous de faire vos propres recherches de votre côté si des sujets vous intéressent. Voilà pour ça, je vous souhaite à tous une belle journée, une belle soirée, une bonne semaine, peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous d'ici la prochaine fois et bonne lecture à tous.